Bon bah salut, bah après écoute, présente-toi. Eh bien, salut. Donc je m'appelle Giovanni et en gros je traverse des pays en longboard. C'est si simple que ça. Donc ouais, t'as traversé quoi comme pays? En passant, j'ai fait donc une partie de la France, j'ai fait la Belgique, la Hollande et le Portugal. Et donc là tu comptes partir en Grèce? C'est ça. Donc combien de jours, combien de kilomètres par jour? Alors je pars 20 jours. Mais je vais rouler très chaud et je vais faire 1200 km. Ton objectif par journée, c'est On s'est entre 80 et 100 en gros à la journée. Donc pourquoi tu t'es mis à faire du longboard? Alors pourquoi je me suis mis au longboard? Parce que le skate ça me faisait chier. Toujours essayer de trouver des nouvelles figures, avoir de la concurrence tout le temps, au bout d'un moment c'est chiant. Ouais, mais bon, le longboard c'est pareil, il y a de la concurrence et puis il n'y a même pas de figure. Si, il y a des figures, pas dans ce que je fais, il y a des figures. Mais dans le longboard, tu vois plus le truc façon concurrence, quoi. Tu vois, enfin, c'est plus un grand groupe d'amis qui va faire à peu près les mêmes choses. Il n'y a pas le côté concurrent justement dans le côté voyage. Voilà, tu fais pour voyager. C'est ça, je fais ça entre autres pour voyager. Ok, et donc faut que tu m'expliques, t'as une petite peluche sur ton longboard. Alors cette peluche, c'est mon nouveau partenaire pour le prochain voyage. Donc elle s'appelle Boudin Ananas. Elle va m'accompagner pendant tous mes prochains voyages, je pense. À part si elle se fait bouffer par un chien qui me course, peut-être sur un voyage, on verra. Ça sent le vécu. Ça sent, ouais, je suis déjà fait courser par un chien, ouais, ça sent le vécu. T'as des petites anecdotes comme ça de ce qui t'est arrivé en longboard? Ouais, bah un chien qui me course, un petit chien de merde. D'ailleurs, je me suis dit, le chien ne m'attrapera jamais. Je pousse un petit coup avec ma jambe, histoire de dire l'attraper. Je me retourne, le chien, il était presque sur mon mollet. Du coup, un petit coup de flip. J'ai une vieille qui m'a coursé au Portugal. C'était assez marrant aussi, je sais pas ce qu'elle voulait. Elle me gueulait dessus en portugais. Bah, moi j'ai accéléré. Une vieille qui court dessus, ça me fait plaisir. Et puis après, bah, des petites gamelles, des gamelles ridicules, par exemple, mettre le pied sur la roue. Et puis voilà, après. Et donc, tu pars, comment pour te loger, tout ça? Eh bien, là en fait, j'arrive à tel mercredi. J'ai logé chez un rider trouvé sur un site de couchsurfing spécialisé pour longboard en fait. Ensuite, hôtel. Et bon, on a vu que c'est agressif, c'est chaud, je vais passer quelques nuits sur la plage. Ok. Je sais pas quoi te dire d'autre. Au pire, tu fais un coupé. Donc tu comptes partir quand et comment? Pour la Grèce? Ouais. Donc je pars donc mercredi, on sera le 30 mai. On sera le 30 mai et je reviens le 20 juin. Ok, tu comptes faire d'autres voyages par la suite? Ouais, alors en septembre, pour l'instant, soit l'Islande, soit la Croatie en fait. Ça dépend de si j'ai réussi à avoir mon passeport à temps. Parce que pour l'instant, je voyage en Europe, j'ai juste besoin de ma carte d'identité. Donc si j'ai réussi à avoir ma carte d'identité, ce sera l'Islande pour faire le tour par la route 1. Sinon, ce sera la Croatie et je remonterai le pays en fait vers le nord par la plage. Et la traversée de l'Atlantique, ça ne branche pas en longboard? Tu mets genre des surfs dessus? Ce sera cool, avec un petit, ouais, avec une voile, ouais, ce sera cool à tester. Voilà, c'est tout. C'est quoi? Attends, ça filme pas. Si, c'est bon. Action. Donc c'est quoi? Donc quel but tu pars exactement? Attends. Ok, alors dans quel but tu pars? Alors ben. Bah... Donc dans quel but tu pars? Donc dans quel but tu pars? Alors bah, le but principal déjà c'est de voyager. Hein. On a une planète donc faut la découvrir. Ensuite il y a un côté écologique parce que bah, je voyage en longboard. Donc zéro pollution. À part quand je prends l'avion pour aller. Ouais, mais comparé à une voiture qui va traverser par exemple des pays, moi je pollue rien du tout. Il y a un petit côté. Ouais, c'est juste le voyage et côté tout simplement écologique. C'est déjà très bien. Et donc, bah écoute, bah bon courage. Et te branle pas trop sur la route s'il y a trop de monde, si tu seras grillé. Donc est-ce que t'as des sponsors pour partir? Alors ouais, j'ai plusieurs sponsors qui me suivent, certains depuis mon premier voyage d'ailleurs. Donc pour commencer, il y a Black Cross, qui est la grosse marque de longboard français et qui fabrique ses boards en fait. C'est un customer longboard, tout simplement.
Ensuite, j'ai Mindless Longboard, qui est une marque d'Angleterre, qui me sponsorise depuis Portugal, en fait, mon dernier voyage, qui était il y a un mois et demi. J'ai Oudibi, une marque de vêtements écologiques qui soutient la cause des abeilles. Parce qu'en gros, en fait, sans les abeilles, on va pas pouvoir vivre longtemps une fois qu'elles sont toutes mortes, si ça arrive, tout simplement. Ensuite, j'ai des partenariats différents avec par exemple des sites internet comme snow.fr, qui est un site de snowboard en fait qui s'intéresse à tout ce que je fais, donc qui publie mes interviews, mes vidéos, etc. Je suis en partenariat aussi avec un salon de tatouage, parisien. Tout simplement quoi, peut-être qu'ils me feront un logo un jour, on verra. C'est un début partenariat. Il y a aussi Stocket Skateboard, qui est une marque canadienne, je crois, qui est un shop canadien, qui m'a sponsorisé pour Portugal. Là, pour la Grèce, j'ai pas eu de nouvelles, mais je pense qu'ils seront toujours de la partie. Et ensuite, je représente une association caritative qui s'appelle SOS Enfants. Donc, c'est super important, car cette association aide les enfants en fait, qui sont non scolarisés à l'école, ceux qui ne peuvent pas manger. Donc elle offre à certains enfants le seul repas qu'ils ont de la journée. Elle leur offre le moyen d'étudier. Par exemple, ils ont réussi à construire une école sur l'Himalaya en fait. Donc c'est simple, il y a 20 km de marche pour les enfants si vous voulez aller à la campagne chaque jour. Donc c'est pas possible, et quand il y avait des grosses périodes de neige, les routes elles étaient impraticables, du coup ils ont réussi à avoir des écoles et maintenant c'est enfants peuvent étudier. Donc allez voir sur leur site, c'est très important. Et puis c'est tout. Donc je remercie tous ces sponsors qui me suivent, certains depuis le début, d'autres qui viennent. Et leur soutien m'apporte beaucoup, car je paye le billet d'avion, je paye tout ce qui se passe sur place. Donc le matériel ça coûte cher. Certains matos t'es obligé d'être changé à chaque voyage, comme la planche pour être sûr de pouvoir tenir tout le voyage. Donc un grand merci à eux. Moi c'est pas grave. Et merci à Ferté Skate pour cette interview avec Mike et Johnny à la caméra. À Johnny. Ouais. Salut Richard, à bientôt. Et puis tu te casses pas les dents hein. Non. Hein. Au pire je vais casser les dents à elle. Le perroquet. Le perroquet va bien. Bon. Non, il va falloir qu'il apprenne à voyager en fait, je suis sur un trip, ce serait marrant. Bah, je l'ai dit, mais depuis pas plus de ouais. Ouais mais faut acheter une laisse, faut trouver un moyen qu'il soit à l'épaule tout le temps. Faut que je fasse un carnet de santé. Et ouais. Et puis en voyage en avion, il voyage dans une plage, dans la soute. Ouais c'est ça, non, pas dans la soute. Non, il va rester avec moi. Ah oui, sur l'épaule. Il va rester avec toi, ouais. Fais à voir. Allez, bon temps. Merci Richard. Je dis merde. Ok, ben merci. Vas-y mec, on voyage. Thanks. Je t'appelle comment faire du ralent.